Comment tu parles l'entrée dans la siracide? Nous remets siracide, nous remets petit conseil, nous remets gens que Abba a te fait par un autre qui te tire de bons petits conseils pour nous. C'est comme ça que je dis là, nous allons parler de deux gros chapitres. C'est le péché avec moun qui vient bon comprendre, ak moun sot. Qui ça a péché? Si on ne parle pas de péché, on dit comme ça que péché, c'est désobéissance de Dieu, c'est désobéir la loi. C'est son péché. Mais on a le temps de qui Jean que Edenel son poil définir péché, à poil dire nous qui ça lié, poil entrer dans l'autre aspect pour éviter au péché. Parce que là, on dit comme ça que ou c'est pécheur, parce que ou fait avec ces deux tendances la caillou, mais c'est combattre pour combattre yo. Souhaiter ou dit comme ça que ok, si c'est comme ça, on fait, quand on peut aller, on peut aller à quel côté non. Mais pour avancer vers la purification, il faut ranger quoi ou, faut mettre deux voies au propre. On a entendu, elle donne la leçon qui va le présenter nous. C'est assez de dire. Alléluia, alléluia, alléluia. Ma première de prophète Moshe pour l'introduction qu'elle fait à Torah, je dirais, à ces racines-là, je dirais, côté que lui parlait un peu de péché qui sont ces transgressions de la loi. En fait, En fait, à côté de Torah, nous voyons ces racines-là, bon conseil, bon comprendre, qui parlez-nous un peu. Ils ont entré un dans l'autre, capable de dire un mot. Mais un titre que nous avons couru aujourd'hui, c'est péché. Qui ça a péché? Nous référons à 1 Jean 3, 4, qui dit tout le monde qui fait péché, c'est désobéir, il désobéit la loi, bon Dieu. Parce que péché, c'est désobéissance, la loi. Et l'autre côté, nous venons que le péché, c'est transgression, loi qui est liée. Je dis à nous que Elder Emmanuel, un commentaire, il fait de première partie, somme 119 là. Il nous voit que c'est sous la loi, surtout qu'elle chita. Et il fait nous comprendre que loi, bon Dieu, ça, c'est à peuple seulement de Balil. Et c'est peuple qui connaît importance la loi. C'est peuple-là seulement qui connaît, qui bénéficie et qui malédiction qui gagne dans la loi. Mais dans l'histoire péché, qui ont péché, ils ont dit que les mêmes séries qui mettent tout le péché, c'est l'orgueil. L'orgueil était toujours considéré comme mettre tout notre péché, parce que c'est de lui-même que notre péché est sorti. Parce que, on est que, ou orgueilleux, en mettant dans le sou, c'est pour capable défier Abaya. C'est pour capable de défier l'autorité, leur accorder plus importance à créature
que Abaya fait yo. Donc, le gars là qui s'en fait, il conduit à une perte de foi. De bougain, orgueil ou bagain la foi encore. Ça n'a pas existé. Donc, on nous regarde qui ça n'a plus besoin dans ces racines-là, je veux dire. Eh bien, nous jouons dans le premier verset, il dit petit moins, souffrez un bagage qui mal, pas recommencer encore. Souffrez un bagage qui mal, pas recommencer encore. C'est déjà conseil que nous toujours recevoir de ces racines-là. Et bien, nous, chaque chapitre commence avec conseil. Eh bien, il dit la prière, demandez pardon pour ça vous fait déjà qui mal. Souffrez qui mal, pas recommencer. Et puis, la prière, demandez pardon pour ça vous fait déjà qui mal. Est-ce que c'est pas meilleur, y en a meilleur conseil que nous sommes capables de recevoir? Certainement. Pas recommencer. Et chaque fois qu'on ne pas recommencer, c'est pas l'autre bagaille, c'est là que au Kembe, Torah, loi, Abaya, règle de vie, dans le cœur, eh bien, c'est là ça, ou pas pécher encore, ou pas recommencer encore. Courir pour pécher, même Jean ou ta courir pour mauvais serpent. Courir pour pécher, même Jean ou ta courir pour un mauvais serpent. Nous avons exemple. Joseph, nous connaissons très bien avec Madame Potiphar, comment qu'elle était obligée, courir, quitter chemise d'une main, Madame Potiphar, pour être capable d'épargner lui de séduction ça, de péché qui est capable de tomber là-dedans. Donc, la Bible a dit nous que nous devons prudents comme serpent. Donc, il y a un serpent qui est vraiment mauvais. Donc, comparer péché, même genre, avec un serpent qui est mauvais en pile. Donc, l'eau est serpent, c'est 10 pieds, ça mange pas bon. Même bientôt, l'on trouvait qu'on fasse péché. On doit faire même gens, mais 10 pieds, ça mange pas bon. Donc, il fait en sorte que nous ne pas capables de combattre le péché sans l'application des règles de vie qui parle l'autre bagaille, c'est Torah. Sa ministre dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je me serre la parole moi dans le cœur moi pour ne pas pécher contre toi. Sous-poché trop près au mauvais serpent, la modéo. Croque dans l'io, tant qu'on croque dans l'ion. Il y a tout le monde. Tout ça au fait qui désobéit la loi, c'est un couillon couteau de bord qui a blessé ou pas jamais eu une guérison. Ramponaille avec méchanceté a fait monde gaspiller richesse. Comme ça,
gen moun arrogant yo ap fini net. Kramponay ak mechansete ap fè moun gaspye riches yo. Kon sa, ka moun arrogant yo ap fini net. Donc arrogant moun ki orgueilleux. Ouais, ou pa ka prospérer. Ou pa jan ka prospérer et même si ta va prospérer, c'est pour un petit temps lié, mais ou pral péri pour toujours. Verset 5. Le moun pauvre a la prière bon Dieu bon Dieu. Le moun pauvre a la prière bon Dieu tendé. Qui moun pauvre ça en parle? Est-ce que pauvre que nous gain nous en la rue ou bien qui genre de pauvre a parlé là? On pensait là d'abord approprié là pauvre en esprit. Pauvre en esprit. Il y a un peu le monde qu'a prié bon Dieu, mais en même temps, qu'a fait ça qui mal. C'est pas que va gagner connaissance de ça qu'a fait qui mal, mais il manque force pour capable aider yo combattre mauvaises habitudes que gagner. Mais yo connaît très bien que ça fait pas ça. Donc, ça que je dois faire, c'est attacher plus à Torah. Laisse ça, mon Dieu a toujours tant de yo, de la prière. Et Abaya, toujours pressé par yo, ça yo mandé. Yo font demande, Abaya. Moun ki parè men moun rale zoreyo ap mache nan semen fè sa ki mal. Ekzanp, logon ti moun kap dezobeyo toutan ou ap bal konsey ou ap dil pa lè soti pa antre ta pral nan ban zanmi etc. Gen pilot ekzanp. Eh bien, ti moun sa, li pa remettre des conseils, eh bien, li pa accepter pour aller aux oreilles, li pa remettre ça. Eh bien, un ti moun kon sa, un grand moun tout, a toujours marché là, fait ça qui mal. Et tout un bon temps kon sa, m'a prêté tendre, bon, il tombé dans un gros problème. Mais moun ki gen craintif pou grand met la, tounen vin jwen Abaya ak tout kèyo. Donc lò gen craintif, se sa k fè ke sajès, le sa Salomon li deklare ke nou dwe instwi ti moun yo depi yo tout piti. Ba yo parol la, e lò vin gran. Même là où t'as pas quitté, y'a tourné quand même, parce que y'a une base, y'a une fondation, y'a une semence dans le cœur, y'a. Parce que y'a connaît ça, faire pas ça. Y'a une crainte dans le cœur, y'a, au grand maître là. Eh bien, y'a tourné, vin jouen, Abaya, à tout cœur, y'a. Parce que faut faire expérience que pas ta aimé répéter encore dans la vie yo té dans tout ça que pas ça et ben leur tourner connait à vivre dans baïa en ben yo qu'un créatif pour grand maître là ça c'est dit nous monde cap marcher fait bel discours tout monde connaît yo
pa gen moun ki pa konnen moun ki kon fè bel diskou. Men moun ki konnen ki kon kalkile konnen le ap di betiz. Donc c'est pour ça que moun nan doit fè bel diskou. Mais c'est pas toutes les fois que di bagay ki bon. Eh bien, moun ki kon kalkile, moun sa yo konnen, le moun kap mache bel, fè bel diskou yo, di yon bagay ki pa sa, bien di yon betiz. Le ou bati ka ou ak l'ajan prete, se tankou wosh, wap pare mette la pou tomb. Le ou bati ka ou ak l'ajan prete, se tankou wosh, wap pare mette la pou tomb. Est-ce que le manuel ka di nou ki sa verset sa, le di, verset 8 la? Le ou bati ka ou ak l'ajan prete, se tankou wosh, wap pare mette la pou tomb. Le Manel ou bien Prophète Moshe ou bien Sœur Margaret, Sœur Blondine, n'importe moun, ça veut dire. Son proverbe lié. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Oui, c'est un gros proverbe lié. Le dit ou le ou bati kay ou ak l'ajan prete. C'est donc où vous parlez, mettez là pour tout. C'est un gros avertissement à Baya pour le peuple, pour nous éviter de faire dette. Pour nous éviter de faire dette autant que possible. Vous avez bâti pour un ton, pour un son, pour bâti Kayo. Avec le moyen que Baya mettez à disposition. Évitez de faire dette. Parce que là où faire dette, ou vin gen des engagements qui trop pour ou et conséquence là ou ka paye très cher. Kayou avec selon moyen selon sa ko gen. Te l'argent ni nan men moun ni nan men institution pou kapab bati kayou pou ki sa parce que texte la clair se nou kou wosh wap pari mete la pou tomb kayou pou te kop bati ya pou kapab menm getan fin jwi kayou la parce que tout circonstance qui a évité qu'on finisse jouer Kayla. Tremblement de terre a passé. Peut-être que Glock a passé, libre Kayla. Peut-être pas un événement quelconque qui a passé, et puis Kayla a effondré. Et puis, non seulement où doué l'argent, ça a coûté prêté, pour remettre, et ou pas gagner. Ouais, gagner là. Yeah. Ouais, gagner là. Donc, laisse ça ou mettez tête ou non en difficulté. Bon, imagine par exemple, on regarde le cas d'Haïti aujourd'hui là. Que le monde pas arrêter la caillou. Non pile quartier. On passe Matisse régulièrement, nous une situation réelle là. Parfois machine publique on peut passer avec un dedans Matisse, un devant Damara. Parce que parfois, le monde est mis ou est sous national, là, pas de route, c'est un dedans, et bon Dieu, imaginez passer. Mais bon, c'est des cailles, des belles cailles, gros cailles, bon bagaille. Mais tu es obligé d'abandonner, et en plus, fois, mon ça, il était pour être comme, il était parti, cailles. Pour être comme, pour bâtir château, ça. Et puis, il n'y a pas qu'à jouer château parce qu'il oublie qu'il est.
mais il faut continuer à prêter, il faut continuer à payer la banque. Si vous êtes doué, il faut continuer à payer les gens. Et puis, il faut faire un autre côté pour y arrêter. Donc, c'est parti de là. Dans un pays capitaliste, comme les États-Unis, par exemple, qui ont des moyens, je bâti Kaila et puis je bâti à crédit pour payer chaque mois, etc. Mais ça arrive tout que le temps pour finir de payer Kaila et puis soit maladie tomber sur ou soit une récession dans le pays et puis ou pas capé Kaila. Bon, la méthode et comme de fait, dans dernière récession qui était aux États-Unis, n'a fait caillou tout dernièrement. C'est un cas de ça, c'était sous Obama, pas combien avant Obama. 2008. 2008, c'était Obama. Yeah. Donc, mais c'est pas deux mondes qui va venir plus pauvre que j'ai été aux États-Unis. Et non seulement ils mettent au deux côté côté là, mais ils vont côté qui est calé, gagne en pile c'est dans la shelter donc ils vont aller. Et vous continuez de jouer. Et vous pouvez reconnaître pour mauvais payer. Et vous ne pouvez pas faire crédit encore. Donc, c'est ça qui fait que les Saintes Écritures, nous-mêmes en tant qu'Israélites, parce que je ne peux pas oublier que le texte que nous avons étudié là, ça ne va pas concerner l'autre peuple. Ça concerne nous-mêmes. Peuple d'Israël. Autant que possible, c'est éviter pour nous tomber dans des situations de dette. Éviter autant que possible. Faire ça que nous sommes capables avec ça que nous avons en main. Faire ça que nous sommes capables avec ça qui nous avons en main. Mais pas le faire des extravagances. Elle peut être un vous l'argent pour nous capables de gagner la capacité. Non? Et puis, qui va mettre un problème du devant. Et c'est pour ça que ça dit nous, c'est un coup roche, on va pas remettre là pour tout le monde. Parce que, peut-être qu'on finit là, pour qu'on bien parler là, eh bien, il ne peut pas même suffire pour en dégo. Voilà. Globalement, ça peut être concernant le texte. Alléluia, alléluia. Merci, Elder Emmanuel, pour. Explication qu'on bat là a aidé en pile. Shalom. Oui, nous avons ajouté que là où fait dette pour bâtir un caï, dette là, il doit faire pas qu'à dormir. Il veut dire la paix. Il doit en caler là, ou pas gagner la paix, ou pas qu'à manger, ou pas qu'à dormir. Et depuis que vous avez deux bagages qui ne pa répondent pas, qui ne pas faire, automatiquement, c'est réduit après un jour que vous avez pour vivre sur terre. La bonne maladie, vous mourir en vent, Léo. Sans que la paix, sans que le sommeil. Nous suivre conseil ça. Et surtout nous-mêmes qui vivons dans un pays, un pays étranger, côté yo invite au faire dette yo prend plaisir pour y a dou faire dette c'est pas vrai non là vinn faire dette là yo ouais côté a bien l'argent de temps pour finir ou payer dette ça 4 à 5 fois plus que ça ou te gagner so on nous fait attention quand y a pay offrir nous dette surtout monde qui vivent dans pays ici on nous fait attention et à monde qui capable faire dette dans mes des particuliers. On nous suit conseil ça yo et la bon pour nous. Alléluia. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Conseil là vraiment 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 important. Et n'a pas tant de gens de bagaille ça yo, li ouvrir l'esprit nous plus. Conseil de bagaille pour nous pas entrer là-dedans. Surtout pour crédit carte. Crédit carte là on prend crédit carte. Tout l'on a payé comme si on pas jambé. Crédit carte la montée pire. Ou payer li comme si ou pas payer. Ça c'est ça que fait tant que moi même te gon crédit carte na Wells Fargo.
oh, m'paye, fait n'importe 4 ans, m'a paye, l'em gade, m'en comme la rite, même gens. Dis, hey! Même côté, amne ke rele wel fago, et puis m'en ke tout paye le cash, m'fou. Ou paye, m'paye, li, et puis m'di bon, m'retire comme nan dette ça. Parce que les moun nan boyon ti pop, koun yan la sotan de ya, kat la rete la, et puis l'ap chajou, mais moi paye chaque mois. Tellement besoin payer dette là bien m'te connais yo te dit m'bay $35 chaque mois moi paye $100 chaque mois me dit bon nous mettre prend $100 sur account mais c'est laisse ça comme la monter payer c'est ça qu'faut ouais conseil ça yo li bon pour nous entendre avec une attention pour nous entendre yo nous même conseil de bagaille pour nous pas tomber là-dedans shalom m'a continuer pour me dire que d'après ça, Sœur Margaret et Sœur Soline se dira à propos de Credit Card. Credit Card là, il prend mauvais bagage. Aucun doit gagner. Mais c'est là où vous faites dette sous lit. Vous n'avez pas possibilité, vous n'avez pas une possibilité pour payer la façon dont vous payez là. Mais on paye minimum là. Pour que l'on ait un crédit card qui gagne $3,000 balance sous lit. Pas crédit non, balance qu'on doit. Sous paye minimum là seulement. Supposons que minimum là, t'as $30. Là, pour 39 ans, pour payer $3,000 plus $10,000. Intérêt. 39 ans. Combien 39 ans qu'on gagne en vie? Donc, l'on fait des tuyaux, calculer côté qu'on peut jouer l'argent pour payer. Donc, on met un express, des bons 4 pour acheter en 30 jours pour payer. Donc c'est conseil, ça est important. Et on a fini avec verset 9, verset 10 là qui dit: mon café ban pour faire ça qui mal sans couillon pile tout zèb yoyé c'est l'enflamme du feu et a fini. Mon café ban pour faire ça qui mal c'est un couillon pile tout zèb ouyé zèb qui séché. Eh bien, quand on parle fini, eh bien, c'est la flamme du fait. Et verset 10 ça dit nous, chemin moun ka fait péché yo bien plate, sans wash, mais yo mène tout droit dans pays côté mort yo hier. Donc, chemin yo après être belle devant, les plates, pas de montagne là-dedans, pas gain wash là-dedans, mais la menon dans pays côté moyo habité. Donc conseil ça yo important pour nous tande yo, mais pas vin tande yo seulement chaque sabbat, c'est yo principe que nous devons ensemble parler de yo pour nous capable faire commentaire sur yo pour nous capable apprendre. Mais aucune possibilité avec Bible créole yo version ou avec toute la dans avec Séracide là ou avec Torah. Donc faut nous faire effort personnel tout études personnelles, recherches personnelles, c'est ça qui pourra aider nous augmenter connaissance nous. Et là, nous augmenter connaissance nous, ça permet tout que ou vienne connaître la loi et ou connaît tout pour qu'un belle loi ça pour graver sous cœur. Et c'est lui-même comme une puissance qui pourra l'empêcher qu'au péché, parce qu'il a convaincu d'abord qu'on va pas péché. Et
vraiment la corriger de tout ça qu'on fait, de tout vieux mœurs qu'on a dans la caillou, et enfin la transformer au la bonne la vie éternelle. N'a pas campé là aujourd'hui, on a continué sabbat prochain. Donc nous dit tout le monde merci qui t'a écouté nous sur YouTube et tout le monde qui était sur la plateforme Zoom là. Souhaitons que Abaya ban nous on l'autre privilège pour nous tenter conseil ça encore dans l'autre session pareille sabbat prochain. Merci encore une fois et bon sabbat.